Mais c'est vachement, c'était vachement malin l'entrée de donjon boss. Le roc et la tortue, là tu sens que c'est le sérieux business. Hein. Tant qu'on n'est pas là pour rigoler. Hein. Ah, Firebrand quoi. Mais vous êtes très chiant. Quelque chose me dit qu'il va falloir de la poudre. C'est marrant que genre aussi loin dans le jeu le jeu doivent se retourner sur un objet que t'as depuis le début. Parce que ils savent eux-mêmes que le bouclier miroir c'est un peu de la merde. Vous faites des bruits de merde. Toujours un des grands moments de plateforme très intense. J'ai pas le bec encore, merde. Oh non, il est trop mignon lui! Il fait bouh bouh. Il me fait pitié lui. Désolé petit poupou. Désolé. C'est le jeu, c'est le chat qui me force à être méchant. Moi je veux bien jouer à la balle. Les serpents ont l'air vraiment beaucoup trop sous-extra. Ah! D'avoir ce qui dit le taré. Guide avec elle la pierre qui crée le chemin et comble les trous. Guide avec elle la pierre qui crée le chemin. Je comprends pas. Petit peuton, j'avais pas vu. Aïe! Mais putain! C'est un harangue. Je suis sûr qu'il y a rien à pousser là-dedans dans cette merde. Merci Juline, 5 mois d'amour, ça se fait. Merci beaucoup à toi, Juline. Julien underscore in. Ah oui, la fameuse pierre et le fameux saupierre là. Et ben là tout de suite, je vois beaucoup plus. Je veux dire. Fatigué. On pourrait facilement l'oublier, hein, parce que c'est vraiment assez discret. Hein. Et toi, toi. Un mimique, non. Par contre, j'ai plus que 3 bombes, hein, ça va pas le faire. Hein.
C'est un hareng. Ah, dis, 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 dis. Non. Oh, gna, 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 gna. Merci, Mister Luffy. Bon, moi. Bon. Il va voir ses papas là. Tu me prépares le café, loin. Oh putain, je frame. Putain. Mais merde! Mais ah! Mais je suis idiot ou quoi? Voilà, ça passe toujours la cinquième fois. Qu'on était même pas allé là. Hein. Ouais, tout de suite ça a l'air. Mais tout de suite ça a l'air beaucoup plus simple. Oh là 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 là! Mister Lucky qui offre 10 subs. Mister Lucky, Mister Lucky, tu passes donc en VIP. Voilà, c'était de bon cœur. Il offre donc des subs. Ah, Yuti Mitsui, merci à toi. Merci pour toute la commu. Je vais pouvoir profiter des magnifiques émoticônes Texas Granger, bien sûr. Qui vont s'afficher à l'écran quand ça arrêtera de bugger. Ou Spy Fox, bien sûr. Hein. C'est un rang. Du coup, Yuti Mitsui, Solidius, Jalil, Anadian, H-Viande, Kukuchi, Noob 4. Et Mizu Mizu, Taft et Ishsama, Mizu Mizu qui était là hier je crois, qui du coup passent tous sub grâce à Mister Lucky, on le remercie. Et Indy Fou bien sûr, décide de faire le fou d'autant plus en offrant 5 nouveaux subs pour passer son score à 33 personnellement. Je rappelle, il n'y a rien à gagner. Quand... Enfin, une fois que vous êtes VIP, je ne peux pas faire plus vraiment. Enfin, je peux venir chez vous, mais ne faisons pas ça. C'est un rang. Merci à Kanaki. Du coup, il envoie des subs à Kanakil, Webmast, Arkham, Captain Courage et Laura Dorir. Fantastique, voici. Et tout de suite, Monsieur Cadeau vous offre un télécassette double envoi pendant que Jojo renchérit lui-même. Ça va être les trucs, tu sais, où les mecs ils rappent en faisant des enchères. Yeah, give me five, give me four, 74, Jojo, Jojo qui du coup devient lui-même bizarre et passe VIP si c'était pas déjà le cas, qui offre à lui tout seul 5 nouveaux subs à Dekuboy, Regic, Cat-Headed, Wuwenya, Mirge des clics. Je prends le temps de remercier tout le monde parce que c'est important comme on l'a déjà dit, mais surtout parce qu'après on perd le nombre, les gens. Parce que Soshi débarque et se dit... J'ai encore vu des gens qui sont pas sub dans le chat. Il est temps de régler cette histoire. Il offre 20 20 subs à Sorar, Nofatbird, Pigeon Blanc, Stickplick, Tahiti Paul, Lyricarum, Asap Shady, Beastmaster, Dutch Vanderlinde, Kimik, Panactis, Patapute. C'est peut-être de l'allemand pour dire que c'est la dinde. Hein. Fenlabiz, Dilam, Angrald, troisième du nom, Mazou, Golgot Chafouin, Arcaïm, Squand, Squand Live et Arcarn. Et vous dites, ouh, le subtrain est passé place au jeu. Le truc, c'est que voilà, Jojo était déjà VIP, je me brûle les yeux avec ma. Oh là là, avec ma. Avec. Ma chandelle parfumée. Parce que derrière, Hello DLC. Qui était venu tout à l'heure, réoffre 5 subs à Azarod, Champy Vermi, Telebook, Mani Retro, Backdash. Si vous entendez votre nom, vous allez tout de suite à l'accueil, vous remerciez Hello DLC s'il vous plaît. Et moi aussi je te remercie
Tout personnellement, je sais pas si on est encore une fois décalé entre le vrai nombre de subs affichés. Non, ça va, on est à 2 subs près. Tout va bien. Vous êtes tous des harangues. Mon slip Sonic est moite. Sonic a une magnifique moustache désormais. C'est un harangue. Et pendant que IndieFou, du coup, profite que voilà, je me mouchais, pour réoffrir 5 autres subs à No Koribi, Zekiel, Couscoussi, Koukouski, Mister Nuage, peut-être du couscous russe, je ne sais pas, Mister Nuage et Jésus XSS. Les mecs, vous êtes déjà VIP. Je ne peux plus rien vous donner à part... l'éternelle gratitude. Et merci beaucoup, j'espère que ça vous plaît, qu'on soit sur la fin de Zelda, qu'on finisse enfin des jeux. Visiblement oui, parce que Hello DLC renvoie 5 autres subs, 74. Il envoie un sub à Alpha Momentum, Kira, The Oracles, Hydronic, Super Sympa, et Trisam offre un abonnement, ça a renouvelé l'abonnement qu'il avait été offert à Heroics. Ça c'est super cool, merci Trisam, qui s'est vu offrir un abonnement par Heroics. Et qui du coup l'a renouvelé lui-même. Et ça, ça c'est sympa. Il a pérennisé l'abonnement qu'on lui a offert. Il a dit j'y suis, j'y reste. Merci à toi. Ah, c'est le B-Event. Oui, c'est ça. C'est le B-Event. Surtout, Sobé à 2000 subs. Harry Potter 2. Sur PC. Ah. Mais juste un remerciement, hein. C'est pas un sub goal dans ma vie, hein. J'ai pas besoin de matos en plus. Attendez, on a fait le tour là. C'est un harangue. C'est vrai qu'en fait on a pas du tout exploré le donjon quoi. C'est déjà en train de me frustrer en mode genre oh là là c'est loin et tout. C'est un harangue. Oh le gros encore. Non mais lui il fait des chops, il est horrible. Normalement je tape plus fort. C'est un harangue. Ah oui carrément putain. Bon alors ce scénario n'était pas prévu. Je me disais, et là il y a un truc, il y a peut-être quelque chose à faire, mais non. C'est un harangue. Encore un perso qui voulait juste des câlins, effectivement. Merde, putain, j'ai foiré. C'est un harangue. Je suis nul à ce point. Oh là là! Et Trisam qui offre 5 abonnements à lui, à son tour également. Attends, t'es VIP Trisam? Je t'ai déjà dit que ton pseudo me faisait penser au fait que... C'est un harangue. Alors, c'est quelque chose qui m'a été rapporté. Mais déjà, bon, il offre des abonnements à VIP, Griou, Mister Dante, JL890, Citarion. Des fois, j'ai l'impression qu'on va chercher les viewers d'autres gens parce que ça commence à faire beaucoup de subs. Mais c'est parce que quelqu'un de très vilain avait dit à un pote à moi, de toutes ses dents, en souriant de toutes ses dents, et fièrement, qu'il ou elle avait fait un trisome, pour dire un threesome quoi, et du coup un plan à trois. Et du coup, en fait, comme ça ressemblait à Triso et que la personne était avait l'air quand même... voilà, que les calculs au niveau du karyotype avaient pas l'air bon. Du coup... ben voilà, ça, en fait, ça me fait penser à ça quand je vois Trisam. Voilà. Mais putain ! Ah ! D'ailleurs, je me souviens d'un pion en 3ème
quand on étudiait le karyotype et tout. Et vous voyez que je révisais, il fait et toi, au 21, t'en as un 3, t'en as un en plus. C'est un rang. Bon, on sautait de sa gueule parce qu'il avait une petite bedaine. On l'appelait Chuck Norris. On avait aussi une pionne qui avait pas de nombril, donc je vous imagine le délire, quoi. Alors que les pions, mine de rien, ils font pas un métier facile. Hein. Déjà que c'est pas un vrai métier. Je sais pas, elle avait peut-être eu une naissance particulière ou une chirurgie de reconstruction, tu vois. Peut-être qu'elle a eu une stomie et puis du coup, quand ils ont reconstruit, ils ont juste replié le nombril. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle avait pas de nombril. J'imagine que le boomerang est vachement bien ici. Merci Trizam pour les 100 000 bits supplémentaires. Ah, Indie Foot t'es pas VIP, what the fuck? C'est un rang. Mais attends, mais c'est écrit comment? Comme ça? Aucun problème, hein. C'est un N'oublie pas ce que disait le hibou by the way. Oui. C'est un rang. Qu'est-ce que j'ai récupéré là il y a 2 secondes? Une clé? Oh, c'est un rang. Merci. Merci, merci. Vous êtes extra. C'est un rang. Il dit que là il y a un. Oh, c'est du rubis ça. Putain, ils auraient mis une clé cachée là-dedans juste pour que le plaisir de remplir le truc. La boussole m'a dit qu'il y a des choses à faire. Mais attends, mais je peux pas acheter de la. Je peux pas acheter de la poudre. Peut-être en sautant. Saute ou poudre. Ouah, mais comment tu fais? Ah, faut la baguette de feu, excusez-moi. Ça paraît logique comme ça. C'est un rang. Lazaretteux. C'est bon pour ces 9 mois, il est l'heure d'accoucher. Poupoupoupip. Poupoupoupip. Ah mais attendez, j'ai une clé. C'est un rang. Je peux aller là-bas. Parce qu'en fait on n'est jamais allé en face. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, en tant que bon aventurier, je ne suis jamais allé tout droit. Ah, c'est un rang. Non, là, ça. Tout, 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 tout. Non, ça c'est de la glace. Rien à foutre. Mais par contre, ça, il coûte cher en bouffe, quoi. Putain, les alertes, elles sont en retard de ouf, quoi. Bravo, tu as trouvé ça tout seul. C'est un rang.
On a rattrapé Lazare et tout. Je pense qu'on est bien. Pourquoi elle est là? Que j'y gagne moi. Hey. Mais comment on se casse? Ah bah oui, c'est comme ça qu'on fait le tour, bah oui. Je viens de comprendre. J'ai eu le casse, ouais, ça roule. C'est un peu le niveau Doom quoi. Non pas du tout. Hein. Je pense qu'on croirait un peu dans Doom quand même. Il y a tellement des fixes là, je sais même pas qui fait quoi. Non, il faut une autre clé. Oh putain. Tu viens de la donner toi. Ah remarque, peut-être pas. Mais wow, le donjon est super grand. Oui. Tu l'es. C'est un rang. Merci Théo Ghost. Est-ce que tu as un peu nul ton jeu préféré, Jim Power? Aïe! Oh là là là, Cosmo Cléos! Merci pour tes 100 000 bits pour la fête des subs. Merci Cosmo, Cléos. C'est moi ou il est chiant? Rien ne se passe. J'ai pas trop compris en fait ce qu'on débloquait en allant de là à là. Là. Enfin, le fait d'avoir fait le tour et de pousser un truc nous avance à quoi? Merci de trade.
Merci de notre aide pour ton abonnement de niveau 1. Je m'échappe sûrement. Quel intérêt d'aller là? Mia! En haut à gauche, tu as un coffre pas ouvert. Ouais, mais il me faut la baguette de feu pour ouvrir ça. Il me faut la baguette de feu pour les allumer de loin, ces trucs-là. N'oublie pas ce qu'a dit le hibou. Vise les flèches. Attends, mais ça, je change quoi en fait? Je préfère le changer et revenir, mais je ne sais pas où. Ah oui, il fallait peut-être ouvrir ce truc là. Il fallait peut-être tout combler ici. Ouah, mais il y a même un trou là! Putain, je suis vraiment trop con. Ah merde, faut faire le tour du coup. Ouais. Mais l'espèce de truc que j'ai ouvert, enfin que l'alternateur, j'ai pas du tout compris c'est quoi son délire. Comble tous les trous. Que garde à vous dans tous les trous? Là, c'est pas possible. Oh, je peux mettre une bombe. Mais putain, c'est ma dernière bombe, quoi! Ça pour aller là, putain, quand on s'en fout. Bon, ça fait un raccourci, mais quand même. Mais pourtant, là, il dit qu'il y a un... Ah, ou alors, il faut... Ouais, faut faire le tour, c'est ça. Putain, mais il est con, quoi. Merde! Merde! Putain! C'est qu'il faut vraiment attendre le dernier moment, quoi. Putain! Mais merde! Oh! Le stick, en plus, il est nul! Ouah, et la croix marche pas! Ah oui, pas besoin d'attendre le dernier moment. Mais pourquoi je pensais qu'il fallait attendre le dernier moment? Bah, tu peux tout anticiper. Et pourquoi je me suis monté la tête? Serais-je quelqu'un d'impatient? Et buté? Serais-je un âne batté? Non, c'est pas possible. Non, il y a erreur, il y a un bug. Non, 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 c'est le jeu qui a tort. Vous avez vu ce génie, quoi?
Aïe! Mais il est écrit sur ce mur, seul Isaac pourra le passer. Mais non! Putain! Qu'est-ce que je fous de ça là? Qu'est-ce que je fous de cette info? Ok. Donc on pourra revenir par là, j'imagine. Mais non, mais pourquoi il va sur le côté? Pourtant, je carbure à l'humex, hein. Vous répondez, il est mort. J'y garde la clé. Prends de l'auteur en passant par l'extérieur. Encore une clé, bordel! Ah! Attends. Ah non, là, il n'y a pas de coffre. Ce mode hard. Ouais, oh, merde, désolé Reska, j'ai pas vu tes trucs, j'ai pas vu ton prime. Merci hein, et merci à mes souhaits, effectivement. Excuse-moi. Oh non, pas eux. Oh là là, mais de quel truc se servir, mon Dieu ? Vous en êtes déjà enduit ? Quoi ? Quoi ? Qui dit que c'est connerie ?
C'est quoi cette merde? Ah, c'est juste... Mais c'est juste le boom. Mais putain, mais... Non. Reviens. Mais attends. Quoi? Pardon? Mais pourquoi ils sautent aussi mal? Non mais là, il y a carrément un bug, putain, mais non. Oh là là, la souplesse d'un open world. Oh, bande de fils de pute. Comme il y a l'animation de tomber de haut, tu peux pas sauter par-dessus. Putain, ça marche pas comme ça, la gravité, quoi. Non, on a déjà fait des sauts en longueur sans élan. Parti. Putain, il y a trop de clés, quoi. Ah, c'est vraiment le donjon de tous les mystères, quoi. Faut piquer toutes les strates du jeu. Une flèche trop spirale, une étrange statue qui nous le cul. Effectivement, ça c'est hyper utile. Ah merde, faut monter sur le piédestal, putain. Saloperie. Ce jeu de touilleur, quoi. C'est pour aller où, ça? Ah, merci. Ça va, ils sont sympas, quand même. Ah, voilà, on se refait un petit capital clé, quand même. Oh là, non. Non, jamais. La baguette de feu. On pouvait aussi sauter. Ah oui, sauter pour le taper dans le coup. C'est la grosse truc. J'arrive par au-dessus. Et si j'ouvre à côté. J'arrive par en dessous. Qu'est-ce qu'elle a l'intérêt d'ici? Ouvre l'autre porte qui était déjà ouverte là-bas. C'est bien. Aïe! Yeah. J'ai oublié que ça existait! Ouais, j'avais vraiment un cœur en moins. Non, attends, j'ai pas fait gaffe.
Meurs, salaud. Poup, 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 poup. Non mais j'en ai rien à foutre d'aller là. Ça me sert à quoi? En plus il y a un coffre là à prendre. C'est pas en les tuant visiblement. Ah si, mais le hibou il te dit de les tuer d'en haut. Du coup faut leur jeter des bombes de loin, mais c'est chiant comme la pluie. Il me casse de là moi. Vaut mieux que ça. Pardon. Hey. Heureusement que je fais plus mal. Hein. Justice rains from above. Oh non, mais ça va être chiant. Génial. Ah, mais ouvre ta bouche! Oh non! Chien! La clé du raccourci que je voulais pas. Ça me dit pas comment je vais là où je veux aller. Cruauté quoi. C'est quoi cette connerie? Merde alors. Mais je croyais que j'avais inversé le truc de merde. Thank you.
pute borgne. On n'est pas pressé. On n'avait pas inversé ce truc de chiasse. Peut-être inversé deux fois, tu me diras. Ah! Putain. Ah, ça consomme pas de mana, trop bien. T'as peut-être sauté dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on fout? Oh, Marc. Je dis du mana, hein, pas de la mana. Finalement, oui, c'est beaucoup plus simple de revenir. Aussi, vous avez ce bug sur Insta. Moi, je l'ai depuis que j'ai le OnePlus. En fait, tes messages, ils restent dans une espèce de boucle temporelle en mode envoi infini jusqu'à que tu jusqu'à ce que tu relances l'application et là, il envoie les messages. C'est hyper chiant. Ça pour une petite clé? C'est pas déjà l'heure de la grosse clé? Et qu'est-ce que je fasse d'autre de ma vie? Ah oui, là. Tu veux préparer le café noir? Ah bah oui, les blocs de glace. Bête. Yeah. Et manger même les mouchoirs. C'est mignon. Là, faut pas faire le fou, quoi. Oula. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il veut déjà lui? Ah, faut faire la course, c'est vrai.
j'en ai rien à foutre. Ah, comment il gigote là, ouais. Ce vieux flambier, cette vieille amibe, cette vieille anémone là. Ah non, mais ça va être chiant. Alors. Et merde, voilà, t'as foiré, connard. Non, faut faire d'abord deux fois en bas. J'ai l'impression de faire du tricot, mais que c'est encore plus chiant que le vrai tricot. Comme la vie est bien faite. Oui! Et le DLC qui, pour l'occasion, nous offre 5 autres subs à nous et la communauté. À Ni Yosab, Daddy Desdez, Eikishin, Nahola. Oh là là, on atteint les 1800 subs. Je rappelle que j'ai dit qu'on jouerait à Harry Potter 2 sur PC à 2000 subs. Comme si on allait pas y jouer de base. Mais bon, j'ai pas d'idée. Merci à toi. Oh là là, Kuro Seiko qui se dit, allez, j'en ai rien à foutre. Qui offre 10 nouveaux abonnements pour un total de 20. Et est-ce que tu es VIP? Je ne sais pas. Tiens. Il offre 20 abonnements à Tasplay, Ryujin, Pujadas, Léo McFly, Victoria Mills, Théodore... The Other John Doe, Alessanis, You Know Me, Who Are You, Sornoudla et Tal. Wesh, Tal la chanteuse, incroyable. Ça fait quoi d'avoir des viewers saoudiens? Ah, j'aimerais bien, si je pouvais streamer que pour deux viewers saoudiens qui sont sub tiers 10 000, pas de problème, moi je fais tous les jeux de la Terre. Alors, en fait, j'ai envie de dire, pour en revenir au début. C'est un hareng. Merci beaucoup à toi. C'est un hareng. Non, putain de merde! Lui. Ah, The Teton qui passe. The Teton qui anime les afters sur Ben's Alive. Des bisous, j'ai vu que tu jouais à Breaking Point hier et du coup, ça a l'air intéressant. C'est un rang. Oh là, mais attends, c'est compliqué là. Comment on fait? C'est un rang. Oh non, mais pas encore une. C'est un rang. Comment tu fais pour déblayer
Waouh! Fallait être chaud quoi. Ouais, non, mais là par contre, fallait avoir un QI quand même. C'était plus simple que ça, merde. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai appris chez les Shadok. Attention, ça rigole plus. Splash, misérable insecte, d'où jamais tu te laisses. Je te laisserai jouer l'instrument des sirènes. Non, pas la coloflamme, ni la coloscopie. Quoi, c'est pas avec T'es en train de me dire qu'il faut pas lui mettre un coup de grappin là. De poudre ? De rebaguette ? Lol. Non, si je n'étais pas venu ici, rien n'aurait changé. Tu vas tuer Marine, fils de pute. Un cœur alors qu'on a fini le jeu quoi. Ouais. Ah le tambour. Parce que bien sûr, c'est ça qu'on préfère dans un orchestre. Ah, c'est un tambour 8 bits. Donc ça c'est très bien. Aïe! Mais putain! Qu'on m'agresse! Ouais, je serai à Paris Games Week, hein, mais vous. Mais va avoir le sacré maintenant! Mais non, mais je me fais acculer! Il s'en fout. On peut vraiment pas se balader ici. On va venir avec le chien. En train de me dire que je suis bloqué là. Mais c'est juste chiant alors que c'est juste là quoi.
Ah, avec le bâton de feu, j'aurais peut-être pu les défoncer, ouais. C'est un harangue. Ouais, pour moi, c'est genre, si c'est pas écrit en gros, Chibromatique vient de s'abonner, oui, Poilonnet. Et en fait, on va passer 2 heures à retrouver l'entrée, quoi. Le créateur du donjon, c'était pas bien. Ah, mais on a pas du tout fait les quêtes d'échange, les mecs. Vous avez cru quoi? C'est un harangue. Non, c'est pas un harangue, Vidon 13. Ouhou, le poisson rive, tu tues. Ouvre de le feu. Merci Bidon 13 qui s'abonne, qui abonne plutôt 5 potes, Kikino, Skydew, Balassa, Kuntail, Tortan, Bidon 13, tu désormais c'est un rang. VIP. Tiens mon poulet, voilà. C'est un rang. Oh là là, et Chromatique qui vient d'offrir 5 nouveaux subs. Chibromatique, pardon. À lui, à son tour. Tu n'es pas VIP, Chibromatique. Il vient d'offrir 5 subs à son tour. À Grungy, John Low, Black Wolf, Aixani, Ashtorm. Tout le monde. Incroyable. C'est un harangue. C'est un harangue. Non, il y a que tu peux aller dans 3 directions. C'est un harangue. Bon, peut-être c'était, elle se réveillait et puis c'était fini. Mais je dois avoir oublié un truc. C'est un harangue. Merci Ashtorm. Bien sûr que non, c'était pas ça. Hein. Ouah, Vidon 13 qui offre 5 autres abonnements, qui passe à 15 abonnements. Il avait déjà offert des abonnements en fait. À Schwarzax, Luc Muche, Woody Seed, EDC94 et Kuhlman.
C'est un harangue. On peut aller demander à Pépé aussi hein, ce qui se passe. Hein. Ça vient se passer. Hein. C'est un harangue. Beaucoup de seum. C'est un harangue. Oh, un petit mess. C'est toi qui fais le motion comics pour Sheba? Sérieux? Il était déjà sub? Stylé si c'est toi qui bosse dessus. Mais tu le fais pas gratuitement? Vu que je participe au budget. Tu peux savoir, c'est pas forcément évident la première fois, mais c'est trouvable. C'est que j'aurais dit qu'il faut une séquence, qu'il y a une séquence comme nord-ouest, sud-ouest, comme dans Zelda 1, mais justement c'est pas ça. Oui, hein, j'ai compris que c'était infini et que quand tu sortais et que tu revenais, oui, cette première truc là. Va donner fin à cet objet. Hein. La quête d'échange d'objets est là, la réponse. Ouais, mais c'est chiant. Enfin, maintenant on peut aller où on veut, mais j'ai oublié où on était d'ailleurs. Vous n'êtes pas posé la question, j'en avais pas marre de jouer au jeu. Vidon, l'argent suisse, il envoie de l'argent suisse, Vidon 13 envoie 500 000 bits, 500 000 bits, même si elles sont petites, c'est mieux qu'une seule grosse, elles sont 500 000. Tu ne trouves pas ton chemin dans l'œuvre, désolé, je peux pas t'aider. Va donc te renseigner à la bibliothèque. Pouvoir sous-saler des couleurs. Le pouvoir des couleurs repose sur 5 pierres tombales. Oui, oui, bon, en fait, on l'a fait tout à l'heure, on s'est spoilé. Là, il y a l'œuf. Le portrait de l'œuf. Il y a un livre qui a l'air plus important que les autres. Livre des mystères. Oh oui. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est de l'air sans une loupe. Où est-ce qu'on peut trouver une? Il suffit de venir en aide aux gens. Oh putain, merde. Pounet vous a donné l'hibiscus en remerciement de l'ananas. Qui c'est qui a besoin d'hibiscus déjà, putain? Ça va me casser les couilles. Ah, la grosse quête FedEx. Marianne, tu veux pas un hibiscus dans ta gueule? Une quête Death Stranding. Aïe! Ah pardon, excuse-moi, tu vas pas mourir, oui. Vidon 13, dis donc, vidon. Tu viendrais pas d'offrir encore 10 sols.
à Darmes, Gata, Freddy M, Kyodai, Pelforce, Ray, Drake, Azam, Killer Queens, Maggot Brain, Anonox. Merci à toi, merci Vidon 13, et merci à la Suisse. Avec cet argent suisse, tu fais le bonheur des gens. C'est à ça que sert l'argent, et aussi à payer des saisons d'Art Looters en Blu-ray, en Blu-ray, en Blu-ray. C'est un rond. Maintenant, mon balai est tout usé. C'est un rond. Je m'appelle Sven Donovovic, je suis le artiste, la statue de la sirène qui surplombe la paix, mon plus grand chef d'œuvre. Je sais plus qui veut lire. C'est un rond. Ah. Tu veux que moi aussi j'ai de l'argent? Bah je sais, hein, c'est fou. Hein. C'est un rond. Il aurait vécu si longtemps que le village des mouettes, je demande si c'est vrai. Le discret qu'envoie 100 000 bits comme ça, gratos. Merci à toi. C'est un rond. C'est-il temps? Il a loupé une porte. C'est celle-ci, là. Mais non, ça c'est l'artiste. C'est un rond. Ah oui, mais j'en souviens plus qu'elle nous en parlait. Merci. C'est vrai que tu construis une lettre pour Monsieur Wright. Il habite à l'orée de la forêt. Ouais. Ils sont bons les biscuits. À l'orée de la forêt. Vous doutez bien que maintenant, c'est pas très intéressant de faire ces quêtes-là. Non, ça me fait chier la pêche. Non, du coup c'est pas par là. Ah oui, c'est à côté du marais. Ah oui, c'est quand t'as traversé la forêt. Oh là, mais ça a l'air bien là. Quand même 100 ans quoi. Aïe! Faut partir, monsieur. Zelda est terminé, hein. Comment ça rame ici, bordel? Ah bah oui, monsieur Wright. C'est monsieur SimCity. Une lettre de Christine pour moi, mais c'est formidable.
Il y a même une photo. Oh, quelle beauté, j'aimerais le remercier. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette photo? Où est le balai? Dis donc, Christine, ça va des photos roule 34. Des vieux screenshots de Pornhub. Allez, mémé, tu vas pouvoir. Je t'offre un nouveau balai pour mieux passer, mieux faire ménage. Un hameçon. Oui, au bord de la rivière. Contre quoi le troquerez-vous donc? C'est de grand fou. Il y a nos pêcheurs. Oh. S'il faut pas donner le hameçon aux pêcheurs, ça va me saouler. Bah autant le faire que maintenant qu'on peut se balader, mais on est impatient d'avancer quoi. Ce pêcheur. Mais j'ai oublié où était l'autre pêcheur. Tuez-moi. Laissez-moi récupérer un gobelet maintenant que c'est trop tard. Pour s'en servir. Ah mais oui, celui qui était sous le pont. On se souvient. C'est vrai qu'on l'avait déjà vu. Il y avait les références à Mario déjà la dernière fois, oui. Alors, le pont, il est là. Est-ce qu'il faut faire le tour de la baie? Ouais, on va pas. Voilà. Ouais. Mais putain. Effectivement, ça arrive un peu tard, mais bref. La map, elle est vraiment hyper dense, quoi. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, en fait, c'est... T'as moins une impression d'overworld, t'as plus l'impression d'un puzzle géant, et... Moi, ça me donne moins le goût de l'aventure, quoi. Voilà. Je voulais... Voilà, c'est dit.
B. Oh putain! Oh c'est des herbes! Un collier de soin! Mais est-ce que quelqu'un aurait pu perdre ce collier? L'original c'était le bikini. Et oui, c'était le bikini. Le bikini. Le bikini de la sirène. Et maintenant c'est censuré parce que c'est pas halal le collier, le collier. Normalement tu lui vois les gougouttes. Putain! Une écaille, mais à quoi servirait-elle? Nikai. Alors là. C'est qui aurait perdu son truc. Les cailles de firelles ne reprend ce doit terminer cette peinture, ça ne peut pas bouger 10 vies. On va donc voir la statue de la firelle appartenue à tout final pour moi. Ah, il faut retourner, putain. J'en viens de votre truc de merde. Comment j'y vais à la statue de la sirène, bordel? Merde à la fin. Comment tu vas là? On va passer par le sud du village des animaux? Ah putain, j'ai fait le tour pour rien. Je vous brûle, bordel. Les gars, il manquait sur la statue de la sirène. What the fuck? Mais saoulé! La loupe! Oh.
Ah, maintenant je les vois. Je ne suis plus binoclard. Il manque vraiment un truc en bas à gauche, quoi. Oh là là. Allez, pardon, pardon. Dans l'œuf, on tourne, tourne, tourne. Gauche, oh oh. Droite, oh. Gauche, gauche. Ok, d'accord. Voilà. C'est réglé. Comment ça, j'ai pas pris le livre, lol? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui te va pas? Qu'est-ce que c'est quoi ce lul? Quel est ce lul qui me taunte? Ce livre-là, on l'a pris tout à l'heure. Je le savais. Le boomerang par contre il est où déjà? Je sais pas si j'ai vraiment envie, j'ai pas trop la flemme d'y aller mais bon. Sachant que je suis en tenue rouge quoi, donc sur la plage. Bon attends, autant y aller parce que pareil, le truc des coquillages, j'y suis pas allé depuis un bail. Il manque vraiment des TP quoi. Je suis à côté. C'est que la carte elle est pas très organique quoi, tu vois, genre je voudrais que tout soit connecté avec tout quand t'es enfin quand t'as plus rien à débloquer, et en fait c'est frustrant quand même. Les passer. Ah, là ça c'est relou. Il y a un TP à deux pas de la maison de coquillage. Bah du coup je l'ai pas débloqué. On est d'accord que la maison coquillage c'est celle-ci, hein, ouais. En fait, il valait mieux remonter quand j'étais à la baie. Lol. Le crâne, quel crâne. C'est vrai que là, je suis en mode caméléon. Hein. Vous avez vu un crâne? Là, je vois juste des tétons.
Ah, celui-là. Bon, moi, il est tellement dans les graphismes du jeu que... Ah oui, d'accord, putain. Bordel, j'ai jamais essayé ça. Je suis con à ce point-là. Oui, peut-être Radio Libre cette semaine. C'est jamais exclu. Aïe! Il y en a tellement. Détecteur de coquillages. Ah non. Ah putain, tout mais pas ça. Est-ce que je peux retourner à la plage ici? C'est du sport, hein. Autant dans Twilight, dans Link to the Past, la recherche de... Putain, mais cette vulve bleue, là, elle me rend ouf. Vous dites qu'il est où, le boomerang? Tu peux se choper si facilement, quoi. Du coup, en fait, j'ai fait plus de 100. Le détecteur, il était dans... Comment ça? Dans Between Worlds. Dans cette grotte-là, on y a forcément foutu les pieds déjà. Je te l'échange contre les objets que tu as signés à X ou Y. Choisis l'objet que tu veux en appuyant sur X ou Y. Non, pas cet objet, choisis-en un autre. Marché conclu. Voilà. Ah, tu le vois grâce à la loupe. Ah oui, exact. Reparle-lui, putain, et vous gueulez, quoi. Ah oui, il est très important. Putain, le mec, il est fort en affaires. Hein. Vous me le gueulez à la gueule. Retourne à la maison des coquillages, il t'en reste plein. Non mais stop, on va pas faire tous les coquillages, hein. T'as cru quoi? On va finir le jeu, et ça va très bien se passer. Ah là, il y aura un coquillage caché. Il était là, putain, what the fuck? Attends, c'est que, en fait, là, il a pas donné tous les coquillages qu'il avait sur lui. Pourquoi tu dis qu'il m'en reste...
couler. Pourquoi tu voulais que j'y retourne enfin? Les infos de chat, mes préférés. Et moi, mon cousin, il travaille à Nintendo, il sait exactement où est l'épée cachée. J'ai ma soluce. À gauche. En haut. En haut. À droite. En haut. C'est soirée là. À gauche. À gauche. En haut. Et voilà ainsi Zelda mourut. Car son vrai nom était Zelda. Nous avons été engendrés par les cauchemars. Pour apporter la stabilité à ce monde clos qu'est le rêve, nous avons plongé le poisson rêve dans un sommeil sans fin. Il ne se réveillera pas, il ne disparaîtra jamais, nous sommes les dieux. Il a fallu que tu viennes contrecarrer nos plans. Tu nous battras jamais. Stupé Flip Crou. Non, je veux que Marine meure. Les gens qui vivent paisiblement dans ce rêve, on la vit trop dur. Oh là là. J'allais y venir à la poudre. Je te redonne de la vie. Oh, c'est Aghanim. Mais là, faut lui renvoyer, c'est tout. Si vous regardez sa silhouette, c'est celle d'Aghanim. Aghanim, tu frappes la balle. Aghanim, tu te la renvoies. Et bien sûr, les gens dans le chat sont obligés de spoil. Il a pas trouvé en 10 secondes, putain, mais merde! Vite! Il faut que j'utilise ma connaissance supérieure d'un jeu vidéo qui a 25 ans. C'est sûrement le premier jeu vidéo de Benjamin Daniel. Oh Ganon! Enfin il est là!
putain. Ouais, il cogne fort, hein. J'ai même pas vu si ça lui faisait mal. Ah putain. Bing. On se rassure, hein, j'ai un baume mais j'ai une fée. Ticket! Ta gueule! Ferme ta gueule! Cet instant de génie! Ferme bien ta grande gueule! Merde, par contre, je commence à être à court d'idées. Ça m'agace. Les oiseaux, tu peux pas les renvoyer, non? Le grappin fait rien. Charger le coup fait rien non plus. Le boomerang non plus. Ça, ça a pas l'air de faire quoi que ce soit. Ainsi, peut-être charger l'épée, mais il faudrait avoir un bon timing. Mais le timing fait pas de cadeau quoi. C'est tout bête mais... Dans ma tête j'étais en mode vas-y flèche d'argent quoi. Ah, la flèche s'utilise pas auto, merde! Ah putain, quel jeu! Quel Zelda pourri! Oui, il y a un mode pour Daggerfall avec les graphismes de Skyrim, mais tout en anglais, à tester, oui. Mais est-ce que c'est. Enfin, ça m'étonnerait que ça marche exactement pareil. Putain, je me suis fait guaquer par les fées. Et du coup, il y a un autre truc que le coup chargé. J'aime pas que ça marchait pas sans l'attaque tornade vu que j'attaque en chargeant l'épée dans le jeu. Ah.
Je sais qu'Aghanim, on peut le tuer avec le filet à papillon, mais... Putain, mais il y a encore... Il y a une autre attaque qui marche. C'est un sacré combat. Putain, il pouvait me remettre toutes mes vies, quand même. Un peu chier, hein. Oh merde, il a pas fait son truc spécial. On peut faire deux fois de suite le truc. Ah oui, il peut faire deux fois de suite son truc chiant aussi. Son truc imbloquable de merde. La première fois, on peut le tuer sans la poudre. Ah bon? Mais bordel, mais c'est un open world. C'est du gameplay émergent. Comment il s'énerve là? Tu peux lui faire assez de dégâts si tu fais le truc, mais c'est très long. Ouais, d'accord. Ça a l'air bien. Putain, oh là là, mais. Ah là on a pu mettre deux fois les deux coups. Putain comment il... Putain mais sa hitbox elle est nulle à chier quoi. C'est que c'est encore cette merde. Y'a déjà quelqu'un qui a spammé la baguette ou pas? Pourquoi tu pouvais juste lui foncer dessus? Pourquoi c'est toujours pas fini? Je n'aide pas, quoi. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces phases dans le dernier boss, quoi. Putain, il faut combien de flèches? Cette île va disparaître. Notre monde
va disparaître. Notre monde. Notre monde. Ah. Oui, c'est vécu bénéficieux. Après, je me donne du chili. Benzaï prend les escaliers. Un gros sac à PV ce dernier boss. Hein. Je suis encore un peu malade, ça me saoule. Ça me saoule, putain. Je me lève à 15h. Je fais la sieste de 20 à de 21h. De 20h à 21h, quoi. Mais je vous dis, c'est le petit débus. Tu fais plus de l'effet de tétis et de courroux, c'est la véritable héros. Je suis le désespoir du poisson. Mon rôle est de protéger ce monde de Eric quand il dure. Et là, ce jour, le cosmos se situe de sourire, menaçant la paix. Mais toi, me trouver le héros de l'éveil, et je vais le désespoir. J'ai toujours cru en toi. Je savais que tu vas créer le cosmos, au moment que tu abritais en toi le courroux. Merci, maître Voyeux. Ma tâche de prison est complète. Il nous faut réintégrer le poids sourire. Et Dieu. Tu es moi. Je suis le poisson rêve. Long fut mon sommeil. Dans mes songes, un nœud apparut. Puis une île entoura des gens, des animaux. Un monde était né, n'est-ce pas? Mais un rêve a toujours une fin sur le destin. Quand je m'éveillerai, Cocoline disparaîtra, n'est-ce pas? Toutefois, le souvenir de cette île perdurera dans nos cœurs en tant que réalité, n'est-ce pas? Toi aussi, un jour, tu te souviendras. Peut-être est-ce le souvenir qui est le véritable monde onirique, n'est-ce pas? Merci. L'heure est venue, voyou. Éveillons-nous ensemble. Joue la chanson de l'éveil. Je crois que mes voisins descendent me péter la gueule. Je tue Marianne. Ah mais non, faut pas tuer Marianne, enfin. Il est dégueulasse, hein, mon Jean-Marie. J'essayais pas de faire l'open de du tout. Hein. Vous existez pas. Vous existez pas. On les fait rigolo. Wow. Stylé. Bah oui, parce que dans le monde réel, Link il ressemble pas à un putain d'amiibo quoi. C'est marrant qu'ils aient fait de la vraie animation à l'ancienne façon 90s en HD pour Zelda quoi. En soi, ils ont mangaïfié tous les Zelda en, et c'est traduit en français, notamment par Florent Gorge. On pourrait les animer quoi.
Il y en a certains qui sont... Il y en a beaucoup, c'est des one-shot, mais il y en a plein, ils sont en... En deux volumes. Je sais pas ce qu'ils, ce qu'ils valent. Vraiment, ils se vendent bien. Oh, les idées qui font quoi. Mais faites une série comme ça. Dans le manga, je sais pas s'il parle ou pas, Link. Il parle peut-être, hein. Ça en met peut-être un peu les couilles, hein. Parce que Link parle pas, oui et non, quoi. Enfin, genre, on s'en fout, en fait. Bon, dans quel sens vous voulez aller ? Qu'on donne la voix de Tintin, comme sur CDI, quoi. Mine de rien, je sais pas combien de temps on y a joué, mais pas mal, hein. Parce que là, on a remis 2h30 dedans. Alors que si je regarde, même en retirant l'heure et demie perdu entre guillemets à lire des subs, on dit souvent il est court. Peut-être pas si court que ça. Les vues YouTube ont pris une claque, c'est n'importe quoi. Hein. Je vous dis tout de suite, YouTube c'est devenu de la merde. La vraie zik. Alors, comptez avec moi, 1 heure, plus une demi-heure, plus une autre heure, ça fait 2h30. Et 1h30, ça fait 4 heures. Et 1h15, ça fait 5h15. Et 1h15, ça fait 6h30. Et 1h30, ça fait... 8 heures. Et ensuite, 1 autre heure, ça fait 9 heures. Et là, on rajoute 2h30. Ça fait quand même 11h30 pour finir le jeu. En mode, je sais pas où je vais. C'est pas rien.